Et si le fils de Daniel Riolo devenait une star du sport? C'est en tout cas ce qu'a suggéré un invité de El After Foot sur RMC, qui connaît bien le journaliste sportif et son fils, dans l'émission du 18 octobre. La suite après la publicité, les chiens ne font pas des chats comme dit l'adage. Depuis sa plus tendre enfance, Daniel Riolo est passionné de sport et si son activité professionnelle tourne principalement autour du football, il n'est absolument pas fermé aux autres disciplines. Le compagnon de Géraldine Maillet partage un amour commun pour le poker avec celle qui partage sa vie et ils se déplacent régulièrement à deux pour participer à des tournois. S'il suit le football avec beaucoup d'assiduité, lorsqu'il s'agit de pratiquer un sport, le journaliste de 53 ans opte plutôt pour la petite balle jaune. Comme il l'évoque régulièrement dans El After Foot sur RMC, Daniel Riolo est un fan invétéré de tennis et l'une de ses plus grandes idoles se nomme Roger Federer. Une passion qu'il a visiblement transmise à son jeune fils, comme un invité de son émission l'a dévoilé le 18 octobre dernier. Venu pour évoquer les blessures à répétition chez certains sportifs, à l'image de Neymar, le kinésithérapeute et ostéopathe Grégory Delante est une connaissance du compagnon de Géraldine Maillet, qui est son patient depuis plusieurs années. Tu as beaucoup de très bons joueurs de tennis, dont moi, plaisante le journaliste au moment de présenter l'invité du soir, qui rétorque dans la foulée, on a un challenge de le faire progresser, pour pas que son fils le rattrape tout de suite, mais c'est vrai qu'on va avoir du mal parce que le gamin joue bien et Daniel va vite se faire rattraper. Merlin partage la même passion que son père, une petite discussion sur le ton de l'humour, mais qui permet d'en apprendre plus sur le fils de Daniel Riolo, généralement très discret sur sa vie privée, hormis sa relation avec la chroniqueuse de TPMP. On ne sait pas grand-chose de sa vie de famille, si ce n'est qu'il est le papa d'un garçon. Et s'il continue comme ça, il devrait vite battre son père et pourquoi pas devenir un joueur confirmé dans le futur. Loin des polémiques qu'il a souvent déclenchées, Daniel Riolo est dans le privé un père proche de son fils, avec lequel il partage la passion du tennis. La suite après la publicité.